à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne pour cette deuxième édition des entretiens de la défense européenne. Nous avions organisé la première édition il y a tout juste un an, donc en juin de l'année dernière, et on s'était donné comme défi de répéter l'exercice, défi en tout cas relevé, avec les mêmes partenaires, et je dirais même plus, avec de nouveaux partenaires, donc je ne les citerai pas, je les avais tous indiqués sur le programme, avec un deuxième défi également relevé, c'est qu'on souhaitait que cette deuxième édition soit un peu plus internationale parmi les orateurs, et notre orateur d'ouverture illustre cette volonté d'internationalisation de nos intervenants. Je pense également à notre oratrice allemande de ce matin. Donc voilà le deuxième défi relevé. Maintenant, il faut rentrer dans le cœur du débat et l'objectif des entretiens reste en revanche le même. Contribuer à la réflexion, au débat sur l'avenir d'une défense européenne. Et à ce titre, je citerai un de nos partenaires médias aujourd'hui qui a titré il y a quelques jours sur Bruxelles 2, je cite, « Et si l'armée européenne était un projet d'avenir ?» Et donc le point d'interrogation est important. Il ne s'agit pas de partir d'un postulat. Cette année, la thématique retenue étant celle de l'armée européenne. On a mis un point d'interrogation après moult discussions, mais c'est volontairement qu'on veut ouvrir débat sans préjugés, sans prérequis. Et à ce titre, je pense que l'année se prête bien à ce type de réflexion, puisque vous n'êtes pas sans savoir que l'année 2019 est une année de renouvellement des instances de gouvernance de l'Union, que ce soit le Parlement européen, comme on le verra cet après-midi avec la table ronde des députés européens, renouvellement de la Commission, du président du Conseil européen. Bref, c'est une année charnière importante pour poser le débat sur les 5 ans à venir, le nouveau mandat des institutions de l'Union. Et donc, pour ouvrir ce débat, qui pouvait être choisi autre que le professeur Julian Urbans, évidemment, qu'on ne présente pas. Ceux qui ne connaîtraient pas peuvent regarder sur la bio, c'est assez impressionnant. C'est tout d'abord quelqu'un de la maison, en quelque sorte, ce que vous avez, sauf erreur de ma part, enseigné en Sorbonne. Et, point intéressant, vous avez enseigné la civilisation française. Et donc, pour un Britannique, je trouve ça particulièrement succulent. Et j'espère que ça va permettre de donner une dimension très internationale à vos propos. Et surtout, à l'heure du fameux Brexit, évidemment, vous êtes mieux placé que quiconque pour apprécier et avoir le recul nécessaire sur cette affaire. Et je terminerai ma présentation en citant un de vos ouvrages, un de vos nombreux ouvrages, parce que vous ne cessez d'écrire. Mais, sauf erreur de ma part, vous avez produit en 2000 European Integration and Defense, The Ultimate Challenge, et vous aviez mis un point d'interrogation. Donc là, je vous demanderai, s'il vous plaît, de répondre alors à cette question en 20-25 minutes. Merci encore d'être là parmi nous et bon entretien pour la journée. Nous savons tous que le traité de Lisbonne contient deux phrases passablement ambiguës. Préconise la définition progressive d'une politique de défense commune qui conduira à une défense commune dès lors que le Conseil européen, statuant à l'unanimité, en aura décidé ainsi. Voilà pour les dirigeants politiques qui couvrent soigneusement leur pari. Quant au peuple européen, les sondages Eurobaromètre posent chaque année la question du cadre le plus approprié pour la défense. Depuis 25 ans, entre 75 et 78% des sondés estiment systématiquement que la politique de défense doit être conçue et menée sur le plan européen plutôt que sur le plan national. Même dans les pays les moins enthousiastes, une nette majorité est en faveur. L'Autriche, 57%, c'est moins enthousiaste. Le Royaume-Uni, à 63%, figurez-vous, en faveur. Et dès qu'on pose la question de l'armée européenne comme la conséquence logique de ce choix, le soutien fléchit. Une petite majorité, à travers l'Union européenne, 55%, est en faveur, alors que 39% se dit opposé. Mais que signifient ces données? Tout simplement que pour les Européens, il est d'une évidence aveuglante
que 28, 27, 28 petits pays, feraient mieux de se défendre ensemble que de façon séparée. Cela dit, on n'a rigoureusement rien dit. Le comment de cette armée européenne reste aussi insaisissable que jamais. Et tout au long de la journée, nous allons débattre des détails essentiellement techniques, détails hypothétiques de ce comment. Dans les propos qui suivent, je souhaite plutôt esquisser le contexte large, le cadre historique et géopolitique dans lequel ce projet serait susceptible de s'insérer. Alors, depuis la Deuxième Guerre mondiale, les Européens ont essayé à trois reprises de forger une armée européenne. D'abord, la Communauté européenne de défense, échec. Ensuite, la PSDC, première mouture, sur laquelle j'ai écrit beaucoup trop, à mon avis, deuxième échec. Enfin, ce qu'on pourrait appeler la PSDC relancée depuis 2016, on verra. La dynamique derrière cette troisième tentative est plus forte que dans les années 50 et plus urgente, beaucoup plus urgente qu'à la fin des années 90. Mais le contexte géostratégique est aujourd'hui beaucoup, beaucoup plus complexe et multidimensionnel par le passé. Afin de bien comprendre les défis auxquels cette troisième tentative se trouve confrontée, il est instructif de comprendre les raisons principales derrière l'échec des deux premières tentatives. Il y avait trois sources de problèmes communes aux deux premières tentatives qui me paraissent pertinentes pour ceux qui veulent entreprendre la troisième. D'abord, l'attitude américaine. Comment y faire face? Deuxièmement, le rôle ambigu du Royaume-Uni. Comment comprendre? Certains diraient c'est simple, c'est pas si simple. Et troisièmement, les profondes divisions au sein des pays européens concernant la nature même du projet et sa méthodologie. Comment les transcender ces problèmes? Alors d'abord les Américains. À la fin des années 40 et au début des années 50, les Américains ne souhaitaient nullement jouer le rôle de bouclier permanent de l'Europe. Au contraire, ils souhaitaient créer les conditions pour que les Européens deviennent capables de se prendre en charge sur le plan militaire, deviennent, passez-moi le mot, autonomes. Et le mot autonome est là, dans les années 40 et 50. À cette fin, vous allez beaucoup trop vite en matière. À cette fin, l'OTAN fut conçu comme un renfort tout à fait temporaire permettant aux Européens de se ressaisir et de prendre en charge leur propre défense. Interrogé devant le Sénat sur l'hypothèse de l'envoi de façon quasi permanente de troupes américaines en Europe, le secrétaire d'État, Dean Acheson, nia catégoriquement que ce fut l'intention de l'administration Truman. De même, en prenant le commandement de l'OTAN en 1951, Eisenhower déclara « Si d'ici 10 ans, il parle en 51, si d'ici 10 ans tout le personnel militaire américain en Europe n'a pas été rapatrié, l'objectif fondamental de l'Alliance aura échoué. » Pour les mêmes raisons, les États-Unis, après un moment d'incompréhension, se sont déclarés totalement en faveur de la communauté européenne de défense, comme pilier européen de l'Alliance. Autrement dit, l'idée selon laquelle l'autonomie européenne a toujours été taboue à Washington et dépourvue de fondement. En 1998, lors du lancement à Saint-Malo de la PSDC, la réaction initiale américaine fut négative. Madeleine Albright ne mâchait pas ses mots. Pas de publication, pas de discrimination, pas de découplage. Après 40 ans de leadership incontesté des alliés européens, les Américains ne comprenaient pas la démarche de Blair, de Chirac, d'autant qu'ils n'avaient pas été consultés. S'agissait-il d'une tentative d'équilibrage balancé, bout à bout, ces Européens deviendraient-ils trop puissants, voire désobéissants? Beaucoup le pensaient, beaucoup le craignaient, les deux côtés atlantiques. Mais au bout de quelques années, dans le contexte des guerres désastreuses en Afghanistan et en Irak, ce fut outre-Atlantique le souci contraire. La PSDC, loin d'opposer aux USA une force équilibrante, risquait plutôt de trouver un boudin. D'où le souhait exprimé par l'ambassadrice américaine à l'OTAN, Victoria Nuland, à Paris même, en 2008, l'Europe a besoin, les États-Unis ont besoin, le monde démocratique a besoin d'une capacité de
forte et plus performante. Le président Sarkozy a raison, l'OTAN ne peut pas tout faire. Barack Obama, pour sa part, encourageait les Européens à prendre la responsabilité principale pour la stabilisation de leurs voisins. Le leadership from behind pendant la guerre de Libye en fut témoignage retentissant. Aujourd'hui, aux États-Unis, un grand débat fait rage autour de la prochaine Grand Strategy américaine. D'un côté, on trouve les partisans de l'engagement en profondeur, deep engagement, parfois les liberal hegemony. De l'autre, les apôtres de la retenue, je traduis vaguement, de l'équilibrage des forces à distance, restraint, offshore balancing. Les premiers, qui sont aux commandes à Washington depuis la durée, considèrent que les États-Unis peuvent continuer indéfiniment à faire la pluie et le beau temps partout dans le monde. Les restrainers préconisent plutôt un repli sensible des forces militaires américaines autour d'un nombre fort limité de bases stratégiques et surtout, le transfert aux alliés européens et asiatiques de la responsabilité principale de leur propre sécurité. Ce camp progresse sensiblement. Donald Trump, sans comprendre un instant le sens profond de ce débat, semble s'y associer. Du côté des restraints, c'est très ambigu, on n'en sait rien, mais Bernie Sanders aussi se met du côté des restraints. C'est un débat assez tard à discuter, mais à suivre avec la plus grande attention. Conclusion provisoire pour les États-Unis. Les Américains ne s'opposent pas par principe à ce que les Européens deviennent des acteurs militaires compétents, capables de stabiliser leur voisinage. Au contraire, toute la discussion, pourtant, porte sur la question de savoir quelles en seraient dans l'hypothèse de la mise en place d'une armée européenne crédible, c'est-à-dire une autonomie stratégique réelle, qui comporte forcément une dimension industrielle, quelles en seraient les conséquences pour le leadership de l'Alliance, voire pour son avenir. La clé, c'est un rééquilibrage de l'OTAN qui devient, à mon instant, à mon avis, inéluctable. Il est bien temps d'acter ce que Hubert Védrine appelait l'européanisation de l'Alliance. Tout dépendra de la manière dans laquelle les négociations autour de ce rééquilibrage se dérouleront. Et du calendrier. J'y reviens. Alors, deuxième source de problème, les Britanniques. Ceux-ci ont été beaucoup plus réfractaires que les Américains à la notion d'une armée européenne. Le projet de communauté européenne de défense fut fermement soutenu par Churchill en 1951. Je cite, il se déclare en faveur de la création immédiate d'une armée européenne. Ce serait la contribution la plus importante que nous puissions porter à la sécurité et à la paix du monde. Churchill, 51. Les Américains et les Français s'attendaient à ce que les Britanniques y apportent une contribution solide. La CED fut en définitive coulée par l'exocète parlementaire français, mais celui-ci a été en partie propulsé par la volte-face britannique parce qu'en 1953, ils annoncent leur refus d'en faire partie. Qu'est-ce qui motivait ce refus? La crainte, tout simplement, que le succès de l'armée européenne n'entraîne le désengagement des Américains. Leçon à méditer. Lors de son lancement à Saint-Malo en 1998, la PSDC fut un projet franco-britannique, mais avec des motivations profondément contradictoires. Pour Paris, il s'agissait de la réalisation d'un projet franco-européen vieux de 50 ans. Pour Londres, ce fut un moyen de sauver le temps. Le message de Washington au gouvernement travailliste de Tony Blair, à partir de 1997, fut sans embâche. Si les Européens ne se prennent pas en charge, l'OTAN aura vécu. Donc, acte. La PSDC a vu le jour, en grande partie grâce aux Anglais. Il faut s'en souvenir. Mais depuis 2003, Londres, tout en espérant la transformer en multiplicateur de puissance pour l'OTAN, a bloqué toute avancée qui risquait d'en faire une armée européenne. Et dans le contexte du Brexit, lors des négociations en matière de défense entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, les Britanniques ont réclamé à corps et à cri leur
engagement inconditionnel à la sécurité européenne. Il prenait un partenariat neuf, profond et spécial. Il le prend toujours. Michel Barnier s'en est souvent félicité. Mais attention, dans le white paper, c'est le texte autour duquel tout se passe actuellement, dans le white paper britannique de juillet 2018, il est dit en toutes lettres que, je cite, l'OTAN restera la clé de voûte de la défense et de la sécurité européenne, fin de citation, l'Union européenne n'aura, je cite, qu'un rôle complémentaire à jouer. Donc, pour moi, conclusion ferme, les Britanniques feront tout pour empêcher la mise en œuvre d'une armée européenne et pour freiner toute avancée des Européens vers l'autonomie stratégique. Bien sûr, avec le Brexit, l'influence du Royaume-Uni sera affaiblie, mais Londres restera tout de même capable de mettre bien des bâtons dans les roues. Ce qui rend d'autant plus urgent l'axe Paris-Berlin, dont l'effondrement commence à se mettre péniblement, très péniblement, en place. La troisième source des problèmes communs, le plus important dans mon sens, commun aux deux premières ébauches de l'armée européenne, sont les plus graves. Ce sont les divisions au sein de chaque pays membre sur l'attitude à adopter vis-à-vis de la construction de l'Europe elle-même. Et ces divisions nationales se retrouvent aussi, et de façon profonde, au sein des familles politiques. Le vote parlementaire en France en 1954 sur la CED, donna le coup de grâce à la CED, témoignait d'une fracture profonde tant au sein de la droite qu'au sein de la gauche. Et ces fractures persistent aujourd'hui. Depuis Saint-Malo, depuis Saint-Malo, la PSDC s'est construite selon une méthodologie dite réaliste, faite de coopération et d'intergouvernementalisme. Autrement dit, suivant le modèle esquissé par le général de Gaulle en 1952, quand il s'est insurgé contre la méthodologie intégrationniste de Jean Monnet pour la mise en œuvre de la CED. Mais ce modèle intergouvernemental est de plus en plus mis en question car il n'accouche que de souris. Aujourd'hui, le populisme déchire l'Europe. Et qu'il soit de gauche, contre le néolibéralisme et la mondialisation, ou de droite, contre la suite en soi-disant perte d'identité, etc., le populisme représente une levée de boucliers commune, populisme de droite, populisme de gauche, commune et formidable contre le principe même de l'armée européenne. J'ai remarqué tout à l'heure que le contexte géostratégique est aujourd'hui sensiblement plus complexe et multidimensionnel que par le passé. La montée du populisme en est un élément. Nous assistons aussi au retour de la logique de la force. Les grandes puissances se bousculent. Trump a jeté par la fenêtre les règles du jeu international. Et il ne faut pas se faire d'illusions. Après Trump, il n'y aura pas de retour à la case départ. La rivalité entre les États-Unis et la Chine causera aux Européens des dilemmes stratégiques de premier ordre. C'est déjà parti. L'environnement sécuritaire est d'une instabilité sans précédent. L'intelligence artificielle transformera les armements et redéfinira la guerre. Le changement climatique constitue une menace existentielle, nous le savons tous. La conclusion est inéluctable. L'Union européenne ne peut plus se permettre le luxe de ses divisions internes. Ceux qui préconisent le plus fermement, en France en tout cas, l'objectif de l'armée européenne proposent des transformations méthodologiques radicales. Je ne parle pas des hommes politiques qui brandissent le terme sans vraiment réfléchir à ce qui implique. Je pense plutôt, par exemple, à l'importante étude de notre ami Frédéric Moreau et de l'Ancien Général. Il préconise une triple rupture avec la méthodologie de la tête gaullienne intergouvernementaliste de l'Europe des Nations. D'abord, en cherchant à passer de la vision d'une Europe des Nations à celle d'une avant-garde faite d'un petit nombre de pays compétents et volontaires, le soi-disant groupe. Eurogroupe. Deuxièmement, en passant de la coopération à l'intégration, fondamentale. Enfin, en prenant la prise de décision par un vote à la majorité qualifiée.
Autrement dit, passer la notion de l'Europe de la défense à celle de la défense de l'Europe. Qu'en pensent les partenaires indispensables dans cette aventure des Allemands? Je laisse à Claudia la peine de répondre à cette question, mais l'Allemagne pourrait suivre le modèle sur la seconde et la troisième rupture, mais pas forcément sur la première. Nous avons déjà assisté à une passe d'armes entre Paris et Berlin sur le nombre de participants souhaitables pour la coopération structurée permanente. Qui des intégrations en Allemagne vise les 27 ou les 28? Pas une avant-garde. Et il faut noter qu'outre Rhin, d'aucuns proposent que le contrôle politique de cette armée européenne pourrait être confié au Parlement européen. C'est ce que préconise. Bien compris, Katharina Barley, ministre de la Justice et tête de liste SPD aux élections européennes. Mais surtout, nous revoilà face à la confrontation de ces deux méthodologies contradictoires, coopération et intégration. Les dirigeants politiques nationaux pourraient-ils accepter un jour d'envoyer des jeunes gens au champ de bataille par un vote à la majorité qualifiée? La guerre peut-elle être menée par un comité? L'on évoque des deux côtés du Rhin le besoin d'un Conseil de sécurité européen formé de 10 États membres, dont 5 permanents, 3 en rotation et 2 sièges réservés au cas par cas. Serait-ce recevable par les 27? La question de la méthodologie est une question éminemment politique à laquelle on ne peut pas échapper, avant même d'aborder celle des détails techniques. Et je termine maintenant par 3 défis majeurs. Quoi, à quel prix et avec? Alors, premier grand défi, il faut commencer par la grand strategy, plutôt que par le détail. Comme disait Sénèque, il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Il faudrait qu'on sache où on va, où on veut en arriver. Et un des problèmes fondamentaux de la PSDC, première mouture, fut son manque d'ambition. Elle fut surtout une tentative de trouver des missions peu robustes à la mesure de l'Union. Drôle d'ambition. Comment l'expliquer? Eh bien, surtout, par la crainte de froisser les Américains. La PSDC, selon la sagesse ambiante, ne cherchait nullement à remplacer l'OTAN, qui restait entièrement responsable de la défense collective. Pourtant, la seule ambition qui vaille, à mon sens, pour l'Union européenne, c'est d'assumer sa défense collective. Il faut cesser de répéter qu'il est impossible pour les Européens de se défendre sans les USA. Au nom de quelle logique les Européens accepteraient-ils consciemment de s'en remettre en perpétuité pour leur défense aux USA? Si l'on croit la version officielle de l'Alliance, selon laquelle celle-ci est surtout une alliance de valeurs, l'Alliance saurait s'adapter empiriquement à la nouvelle donne planétaire, dont la caractéristique marquante sera la reconfiguration et le rééquilibrage des grandes puissances. Un monde multipolaire. Si par ailleurs, l'Europe redoute l'abandon par Washington en cas de crise majeure, la dépendance n'a encore moins de sens. Deuxième grand défi, l'argent. En 2018, les pays membres européens de l'OTAN ont dépensé collectivement 264 milliards de dollars US sur la défense. Si tous les pays européens avaient atteint le but agréé de 2% du PIB, cette somme se serait majorée de 102 milliards pour une dépense totale de 366 milliards de dollars. Or, selon une étude des International Institute for Strategic Studies, c'est important, qui fera date et qui fut publiée le week-end dernier, vient de partir, de sortir, le coût d'une armée européenne autonome ajouterait 467 milliards de dépenses nécessaires. Je ne rentre pas dans le détail. Il s'agit d'une étude minutieusement chiffrée qui examine deux scénarios dans l'hypothèse du retrait des États-Unis de l'OTAN. Premier scénario, la prise en charge par l'Union européenne
de la protection des global sea lines of communication. J'essaie même pas de traduire. Global sea lines of communication. Dans les océans par où passe la quasi-totalité du commerce européen. Coût calculé par dollar US, 110 milliards. Le second scénario est hypothéqué par l'occupation par la Russie de la Lituanie et d'une partie de la Pologne. Il imagine une guerre de libération de ces territoires menée par l'Union européenne, sans les Américains. Coût 357 milliards. On peut contester ces chiffres, mais il ne fait aucun doute que l'armée européenne ne s'achètera pas parmi les soldes de chez Tatra. Troisième défi, dernier défi, avec ou sans l'OTAN. La vaste majorité des très nombreuses études qui ont récemment parlé sur l'autonomie stratégique ou sur l'armée européenne supposent que celle-ci serait forgée à l'extérieur de l'OTAN, à partir des instruments purement européens dont l'Union s'est dotée depuis Saint-Malo, et notamment la CSP PESCO et le Fonds européen de défense. Autrement dit, elle se fera sans les Américains et dans certaines études, contre ceux-ci. Or, ayant soigneusement étudié la PFDC depuis maintenant plus de 30 ans, je dois dire que j'en suis pas persuadé. Nous ne forgerons pas une armée européenne contre les Américains, mais en bonne intelligence avec eux. Malgré tout ce que fait Trump pour déstabiliser l'OTAN, malgré toutes les interrogations que l'on puisse formuler sur l'avenir et les objectifs de l'Alliance, elle ne va pas fermer boutique. Les Américains ne vont pas la quitter. Donc, on est obligé de faire avec. Et pourquoi pas? Entre l'OTAN et l'UE, nous avons maintenant 80 projets de coopération. Existe-t-il des dossiers sur lesquels on ne coopère pas? Les Américains n'arrêtent pas de nous demander des efforts accrus, de nous encourager à assumer le leadership stratégique dans notre voisinage. Ça, c'est un propos contestable. Alors, relevons ce défi par le biais de l'OTAN, pas en cherchant à nous différencier par rapport à elle. L'objectif à terme devrait être le retour au scénario initial conçu par Hutchison et soutenu par Kennedy, une alliance rééquilibrée dans laquelle les Européens prendraient progressivement la part du lion et les Américains joueraient pendant encore 2 décennies plutôt le rôle de facilitateur. Il est profondément dans l'intérêt des deux parties de forger une nouvelle alliance. Une alliance qui n'est pas structurée par la dépendance, encore moins par la servitude, mais par un vrai partenariat équilibré dans lequel les Européens atteindront, avec l'appui et le soutien des Américains, l'autonomie stratégique. Je suis persuadé qu'avec une diplomatie sophistiquée et une volonté politique inébranlable, les Européens sont capables de vendre ces visions à Washington. Elle sera plus difficile à vendre à Varsovie et à Vilnius, et dans un premier temps, probablement impossible à vendre à Londres. Les Anglais risquent de passer quelques décennies d'isolement au milieu de la mer du Nord, le temps de décider qui ils sont. En 2049, on fêtera le 100e anniversaire de l'OTAN en signant un nouveau traité entre l'Union européenne non dépendante, autonome et des États-Unis désespérément en quête d'appui. J'aurai 104 ans. 9. J'espère pouvoir lever un verre pour saluer cette nouvelle.